Eh bien, bonjour tout le monde. Journée exceptionnelle chez nous aujourd'hui. 10 ans pour Nino. 10 ans. J'ai l'impression que c'était hier. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu la vie sans lui. C'est toujours très bizarre. Quoi vous dire d'autre, à part qu'il y a 10 ans, je donnais naissance à mon deuxième petit garçon. C'était dingue. Franchement, j'ai toujours eu des très beaux accouchements. Mais si je devais en donner un qui a été un petit peu plus difficile que les autres, je dirais que c'est le sien. Ça a été un petit peu... J'ai accouché sans péridurale du haut de mes petits 19 ans. Et franchement, ça a été intense. Mais ça a été, comme pour tous, une très très belle naissance. Une naissance un petit peu particulière parce que je savais pertinemment que qu'après sa naissance, son papa devait partir 9 mois. Et c'était quelque chose de difficile pour moi de me retrouver seule avec ces deux petits garçons. Mais comme quoi, rien n'est insurmontable. Il y a toujours bien pire que soi. Donc voilà. Mais bon, 10 ans après, je suis extrêmement fière de lui. C'est un garçon absolument... incroyable, hyper franc, hyper sincère dans tout ce qu'il fait. C'est un excellent élève, franchement, c'est Nino. Je crois que de tous mes enfants, c'est l'enfant qui me ressemble le plus. Il est clairement déterminé et voilà. C'est un chouette garçon. Maman. Oui, mon amour. T'auras 10 ans un jour, toi aussi, ma beauté. Hein, mon cœur. D'ivoire. Ouais. 10 ans, Nino. D'ivoire. Oh. Qu'est-ce que tu as vu? Coquine. Sinon, il y a lui, là, qui est en liberté tout le temps dans la maison. Maintenant, il est en liberté dans le jardin. Hein?